Coucou, coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi, like, laisse-moi un commentaire et surtout partage ma vidéo pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes achats à TK Maxx. Je suis allée à TK Maxx. Vous savez que j'utilise la crème au collagène. Je vais vous montrer la crème au collagène que j'utilise. Voilà. Et c'était déjà presque fini. Et je me suis dit que okay, je vais aller à TK Maxx me procurer un peu de crème et voir un peu ce qu'il y a de nouveau là-bas. Donc, je suis allée à TK Maxx parce que cette crème est finie. Vous savez que ça, c'est la crème au collagène 30 plus anti-âge que j'utilise actuellement. Je vous ai fait une vidéo sur cela. Ils ont mis ici avec de l'acide hyaluronique. C'est une très, très bonne crème. Bonne crème. Et ça m'a vraiment aidé pour m'appréhender l'état de la peau, ce que j'utilise en journée, toujours. Et je mélange avec le sirop. Donc, je mets d'abord le sirop. J'applique, j'attends 2 minutes. Et je mets la crème. J'ai trouvé ce peeling. Bon, je l'ai ouvert. Je l'ai déjà ouvert. Ce peeling-ci. Et la crème de visage au collagène-ci. Ça. Nous sommes à l'entrée de TK Maxx. Là, vous voyez TK Maxx. C'est un magasin qui est à côté de chez moi. C'est un magasin qu'on appelle TK Maxx. Hein. Et là, je suis dans le compartiment des produits cosmétiques, c'est-à-dire sérum, crème de visage et vitamines. Il y a un autre compartiment des huiles, des savons, c'est un autre compartiment. Là, par exemple, vous avez un sérum à la vitamine C, mais comme je cherche le collagène, mais je regarde d'autres produits. Là, vous avez du gommage pour visage. Je cherche un peu de partout là où je peux trouver quelque chose. Là, on a le cicaplaire qui est pour les cicatrices. Dans TK Maxx, on a un peu de tout. Hein. Je vous montre un peu. Là, on a de la crème de visage enrichie aux vitamines. C'est comme ça qu'ils achètent certains de mes produits et je cherche. Il y a la niacinamide et la vitamine C. J'ai été un peu choquée parce que c'est que la niacinamide et la vitamine C, ce n'est pas bon pour les mélanges. N'achetez jamais ce genre de produit. Voilà, ce genre de mélange-là, j'aime pas. Parce que c'est un mélange qui donne un peu des allergies à la peau. C'est pas très bon. Il y a des réactions. Là, je suis tombée sur cette huile-là. C'est un sérum. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vite déposé parce que je n'ai pas trouvé d'intérêt. Il y a de l'aloe vera, le peppermint. Cette combinaison. Je sais pas ce que ça fait de bien pour la peau. Donc, j'ai redéposé. Là, on a de l'acide hyaluronique. Vous savez que je vends des produits aussi. Hein. J'ai un client qui a besoin de cela. Je me suis dit, est-ce que je vais acheter pour le client? Après, je me suis dit, non, je suis d'abord venu pour moi. Il faut que je me satisfais d'abord. Donc, j'ai redéposé. Tu peux déposer là où tu veux. Vous voyez, c'est pas très classé. Donc je... Là, c'est le collagène, mais je suis venu pour la crème de jour. Je ne suis pas venu pour le sérum. J'ai déjà un sérum, j'ai déposé. Donc, c'est comme ça qu'il achète mes produits. Hein. Vous voyez un peu comment je cherche. Voilà, je n'ai pas. À TK Maxx, tu n'as pas un produit spécifique dans la tête. Là, c'est de l'eau faciale, l'eau micellaire, la vitamine C qui est éclaircissant, qui est clarifiant, qui est aussi très, très bien. En tout cas, les produits de TK Maxx sont très, très bien. Ici, je suis tombée sur le collagène, la niacinamide. Bon, en sérum, mais moi, je cherche la crème de visage. Hein. Je cherche un peu de partout. Et là, je tombe sur le collagène et l'acide niacinamide crème. Moi, je n'ai pas besoin de la niacinamide parce que je n'ai pas de problème sur la peau. Je n'ai pas d'imperfection. J'ai juste une peau lisse, claire. Et je cherche juste le collagène pour donner de la fraîcheur, l'élasticité. Voilà, une peau un peu plus jeune. Voilà, que la peau ne soit pas fatiguée, qu'elle ne soit pas terne. Que la peau puisse avoir l'élasticité et que je puisse prévenir les rides de ma peau. Là, je suis tombée sur ça. J'ai remis. Ça ne m'a pas intéressé. C'est comme ça que je cherche les produits. Hein. Soyez patient. Ça, c'est le rétinol. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit, est-ce que j'achète le rétinol? Non, il dit que non, je suis venu pour le collagène. Il faut que je me concentre sur le collagène. Parce que j'ai le sérum. Le sérum au collagène, une crème au collagène, c'est parfait. Le rétinol, lui aussi, mais pas pour l'instant. Je suis tombée sur la vitamine C. Qui m'a vraiment vraiment plu, j'ai gardé, j'ai mis de côté, j'ai encore regardé. Après, je me suis dit non, il faut que je me concentre. Je trouve ma crème de visage collagène.
Vous voyez autant de produits qu'il y a et ce n'est pas vraiment rangé selon les crèmes, les sérums. Non, ils ont tout mélangé. Donc, je regarde encore ma vitamine C et me dit, est-ce que j'achète après? Je me suis dit, non, 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 ça doit être un très, très bon produit. Donc, j'ai encore recherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Je cherche. Je suis tombée sur cette crème. Booster au collagène. Parfait, pas de mélange. Booster au collagène. Je me suis dit, je prends ça. 7 euros. Je me suis dit que c'est le produit idéal. Bien, je prends, mais je pars haut. Avant que je commence à chercher d'autres produits qui vont me faire dépenser, mieux, je pars doucement. Je regarde encore les produits. Mais au fond de moi, j'étais plus sur ça. Mais je regardais, hein. Et là, je suis tombée sur ce collagène-ci. Non seulement la boîte, elle est très grande, le produit est beaucoup et en plus, pour 9 euros, c'est pas mal, hein. Le produit m'a fait au moins un mois. Je suis retournée vers la crème de visage que j'avais d'abord choisie au collagène. J'ai vite déposé. J'ai repris mon collagène au nez émulsion qui m'a fait 3 mois, qui coûte 10 euros. Je me suis dit, non, je prends ma bouteille et c'est ça que je vais acheter. Et vous voyez, c'est toujours la fin. Hein. J'ai tourné là-bas au moins 30 minutes. C'est toujours à la fin qu'on trouve les bons produits. C'est pour ça qu'il faut vraiment fouiller à TK Maxx. Donc, j'ai fini. J'ai choisi les deux produits. Je me redirige vers la caisse pour aller acheter. Ce n'est pas évident. Hein. Mais au moins, je sais que j'ai acheté de très bons produits. Je suis contente. Je m'en vais acheter mes produits. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si je dois vous faire une vidéo spécialement pour le collagène, pour montrer un peu l'importance du collagène. Mais je pense que tout le monde a Internet et Google. Et tout le monde peut aller sur Google et essayer de voir ce que le collagène peut faire sur la peau. Vous me voyez actuellement sans make-up, sans artifice. J'ai juste mis un peu les fossiles, j'ai un peu mis mon gloss, j'ai mis un peu mes boucles d'oreilles. Plus que ça, rien. Et j'ai utilisé le peeling aujourd'hui et le collagène pour vous dire que les produits cosmétiques, ça agit vraiment sur notre peau. N'hésitez pas à utiliser certains produits cosmétiques comme le collagène, l'acide hyaluronique, vous avez les problèmes, la niacinamide, si vous voulez une peau qui brille, la vitamine C, les peelings, les gommages. N'hésitez pas à vous entretenir la peau, c'est très important pour une femme. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que tu aies des problèmes, que tu n'aies pas des problèmes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Même s'il y a quoi, je prends soin de moi. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, à me laisser un like et surtout à partager ma vidéo pour que d'autres personnes, aussi comme toi, puissent voir la vidéo. Et surtout, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Instagram vient toujours dans ma tête. Non, Facebook, TikTok. Et Snapchat. Snapchat, je suis très, très naturelle sur Snapchat. Ok, bye.